On était confronté à un double défi. Le début de la construction nationale, c'est-à-dire faire de véritables états de nation, des entités administratives créées par le système colonial et maintenues par la coercition. L'unité était maintenue par la coercition. Je ne vous apprendrai pas toute l'histoire du Sénégal qu'on constate d'ailleurs à cette époque-là et toutes les répressions qui ont été menées par-ci, par-là. Mais il y avait également une autre exigence, c'est celle du développement, c'est-à-dire changer la condition économique et sociale de nos populations. Ce qui entraînait la remise en cause de toute l'économie de traite. C'est-à-dire, au lieu d'être seulement producteur et exportateur de matières premières, essayer non seulement d'accroître la production alimentaire et la production de matières premières, mais créer également ou développer les unités de transformation qui existent dans le pays pour qu'il y ait une valeur ajoutée au lieu de faire d'envoyer nos productions hors et de les importer ensuite sous forme de produits manufacturés. C'est qu'en fait le système colonial. C'est le système. Alors donc il y a cette affaire là. Évidemment, il faut dire qu'à l'époque maintenant, il ne s'était pas constitué au moment de l'indépendance. Peut-être ce qui a fait illusion, c'est qu'il n'y avait pas encore vraiment de classe sociale économiquement importante dans nos pays si on exclut les fonctionnaires et les classes moyennes. Mais c'est par la suite, avec la vie politique, que s'est constitué maintenant les entrepreneurs, une classe. Et c'est ça. Avec Babacar Ba, notamment, comme symbole, peut-être d'autres. En tout cas, il y a eu une classe sociale nouvelle qui s'est créée. Avec, évidemment, on a voulu créer une bourgeoisie sénégalaise, une bourgeoisie africaine, mais la politique s'en mêla, les avantages offerts par la politique se permettant, nous avons une diversification sociale beaucoup plus grande que celle que nous avions au moment de l'indépendance, au moment où nous luttions pour l'indépendance. Donc nous nous trouvons à l'heure actuelle dans des pays avec évidemment les rapports économiques restent pas tout à fait les mêmes. Il y a eu quand même des progrès qui ont été réalisés, je dois dire, dans le domaine social, dans le domaine économique même. Mais toujours lié aux politiques, quoi, de cette manière. Quoi. Mais il y a le fait que nous n'avons pas encore su vraiment prendre en charge la responsabilité de nous-mêmes, élaborer des programmes et des plans de développement économique et social, non pas en fonction de ce que l'extérieur attend et veut de nous, en fonction de ce que nous voulons faire de nos pays et des besoins de nos populations. Voilà encore le point. Alors, ce qui s'est passé maintenant, c'est que la situation est paradoxale. Il y a des améliorations exactement qui ont été faites, je dois dire, des conquêtes quand même nouvelles par rapport, même sur le plan économique et social, par rapport au système colonial. Mais nous sommes dans une situation où la pauvreté est très grande. Vous avez à l'heure actuelle dans un pays comme le Sénégal, on considère que plus de 50% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire n'atteint même pas le niveau d'entrée dans la pauvreté. Vous avez par exemple une agriculture qui groupe à peu près 60 à 70% de la population, mais qui ne participe que pour 16% au produit intérieur brut. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous avons une agriculture non productive, avec une population agricole qui, par voie de conséquence, devient pauvre et pauvre. Pendant ce temps, vous avez évidemment d'autres gens qui se sont enrichis du fait de leurs relations politiques, du fait qu'ils ont accédé à des responsabilités politiques qui leur ouvraient des opportunités, que d'autres n'avaient pas, etc. Alors donc voilà le paradoxe que nous vivons à l'heure actuelle. Et là, il y a une autre question sociale qui se pose. Oui. Oui. Mais sur ce point-là, vous pouvez revenir à ce que vous venez de dire. Oui. Est-ce que ça ne justifie pas, parce que vous avez peut-être entendu Henri Guénaud, enfin plutôt Sarkozy, qui disait que l'Africain n'était pas rentré dans l'histoire. Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça? C'est-à-dire que le fait que nous, quand même, au départ, je ne parle même pas des richesses qu'on a dans le sol et dans le sous-sol, hein, les richesses qui servent pratiquement
au commerce international, à nourrir la planète, hein, le pétrole et autres, les matières premières, les matières vivrières. Hein. Mais quand on remonte et qu'on voit qu'on partait presque sur la même ligne de départ avec les pays asiatiques, quand on a vu quand même le chemin parcouru par les nouveaux dragons asiatiques, est-ce que ça n'a pas justifié le fait que les autres, ou quelqu'un comme Henri Guénaud, ait pu écrire qu'on n'est pas rentré dans l'histoire? Est-ce qu'on n'a pas raté le train de l'histoire? Attendez, je vais essayer de répondre à la question que vous avez posée. Il faut savoir ce qu'on appelle entrer dans l'histoire. À mon avis, quand les Européens parlent du fait que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire, je me demande si ce n'est pas toujours la négation de toute histoire. Nous sommes entrés dans l'histoire depuis très longtemps, nous ne sommes jamais sortis de l'histoire. Étant donné, oui, que si vous prenez le cas de l'Afrique, quand au milieu du 15e siècle, les Portugais arrivent pour la première fois en Afrique, mais nous étions, du point de vue de l'évolution et du développement, dans un état qui n'était pas différent de celui de beaucoup d'autres pays européens, d'accord? Nous avions évidemment des secteurs moins développés que d'autres, mais il ne faut pas oublier qu'avec nous avons eu de très grands états. Je ne citerai pas en Afrique de l'Ouest rien que l'état du Ghana, Congo, du Mali, etc., du Songoï, etc., ou l'état du Congo même en Afrique centrale et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, et à partir de ce moment d'ailleurs, nous sommes non seulement, nous étions dans notre histoire, mais nous sommes entrés dans l'histoire du monde. Parce que le monde moderne, à partir du milieu, qu'est-ce qui se passe? Les Portugais arrivent en 1444 dans la presqu'île du Cap-Vert. L'endroit où ils s'installent, c'est Gorée. Mais déjà, quand les Européens sont arrivés, les Portugais, sur les côtes du Maroc et de la Mauritanie actuelle, ils ont commencé à chasser les gens des villages pour les amener comme esclaves. Ils l'ont fait également quand ils sont arrivés sur le côte du Sénégal actuel. Et avant que Christophe Colomb n'aille en Amérique, entre 1444 et 1492, mais vous avez énormément d'Africains qui avaient été pris comme esclaves et qui travaillaient à Lisbonne. Lisbonne était une ville où il y avait énormément d'Africains, il y en avait en Espagne, il y en avait partout dans la péninsule ibérique. C'est quand maintenant l'Amérique, Christophe Colomb est arrivé en Amérique et les Portugais ont commencé à coloniser l'Amérique. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont commencé à faire travailler les Indiens qui mouraient en masse. Ils ont commencé à importer des Africains. Les Sénégalais n'avaient pas mis les premiers. Et c'est en 1515 que maintenant Charles Quint décide d'officialiser l'esclavage, la traite des esclaves qui se faisaient. Mais à partir de ce moment, l'Europe qui sort de l'Europe de la Renaissance se développe à partir de quoi? Mais le travail des Africains, pendant toute la période d'accumulation primitive du capital en Europe, mais c'est nous, c'est le travail des esclaves dans les mines, dans les plantations d'Amérique qui a apporté les capitaux, les richesses qui ont permis un développement prodigieux de l'économie européenne et même une industrialisation par la suite de l'Afrique. Ensuite, pendant la période coloniale, avec les crises cycliques, quand ils ont occupé l'Afrique à la fin du 19e siècle, mais nous sommes devenus le pourvoyeur, l'Afrique est devenue pourvoyeuse de matières premières, également permettant également les investissements des surplus financiers du capitalisme financier qui vient s'investir en Afrique. Et quand on me dit, mais on a construit des routes, on a construit des ports, mais ces ports sont payés avec l'argent de quoi? Mais par des emprunts qui ont été remboursés par les Africains, et c'était fait pour mettre en valeur les ressources dont le système colonial avait besoin. Donc qu'on ne nous raconte pas qu'on était dans l'histoire. Maintenant, on peut rajouter aussi, on peut rajouter le fait aussi que quand même ce qui est décrit actuellement, c'est le commerce transatlantique. Oui. Auparavant, il y avait le commerce transsaharien. Il y a quand même aussi au préalable une implication dans le monde. L'implication de l'ordre, d'ailleurs, j'ai parlé du 15e siècle, mais en réalité, des études montrent, on l'a montré dans l'histoire générale de l'Afrique qui a été publiée par l'UNESCO, qu'il y avait un commerce transsaharien extrêmement important. Lors de l'Europe, quand l'Europe a commencé, prenez la thèse de Pirène. Pirène était un historien belge, Jacques Pirène,
qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle Mohamed et Shalban. Et Pirène disait que, en fait, c'est l'arrivée de l'islam qui a imposé le système, ce qui a été fait du système féodal en Europe, c'est-à-dire la création de la villa gallo-romaine, avec évidemment l'autarcie dans le cadre de la villa, dans le cadre de si vous voulez, où les paysans, serfs et tout ça se mettent avec un seigneur qui les protège, etc., et qui vivent ensemble. Et qui doit, il y a eu une certaine autarcie, on doit produire tout. Pourquoi? Parce qu'il dit, il n'y a plus d'or, il n'y a plus de monnaie d'or, il n'y a plus d'or pour faire de la monnaie. Alors, mais au Moyen-Âge, c'est l'Afrique noire qui envoie la monnaie, l'argent à travers la monnaie d'or, à travers l'Afrique du Nord, l'Afrique occidentale en particulier, qui envoie tout son or qui va servir à frapper la monnaie, qui va permettre la renaissance du commerce en Europe. À la fin du Moyen-Âge, au Moyen-Âge, à la fin du Moyen-Âge. Alors, tout cela pour dire que nous étions dans l'histoire. Bonsoir. Bonsoir. Tout cela pour dire que nous étions dans l'histoire. Ce que je veux dire maintenant, une chose, il y a évidemment un problème. Vous parlez des Asiatiques. Moi, j'ai fait une étude pour essayer de comparer la situation des pays comme la Thaïlande, Taïwan, la Corée et les pays de l'Afrique occidentale tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire dans les années 60. Le produit intérieur brut n'était pas plus élevé dans les pays asiatiques qu'au Sénégal, que dans l'Afrique, dans les pays d'Afrique occidentale au moment où nous accédons à l'indépendance. Mais ce qu'il y a, c'est que les dirigeants asiatiques ont eu en partie dans eux une politique autonome. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé, ils n'avaient pas les anciennes puissances coloniales, ils n'avaient pas la Banque mondiale. Ils n'avaient pas des intellectuels aliénés, parce qu'il faut dire également qu'il y a une part qui nous incombe. Nous avons eu, nous, des intellectuels qui étaient tellement aliénés, pas intellectuellement et culturellement, qu'ils ne pensaient pas sortir des carcans que leur avait, dans lesquels ils les avaient enfermés l'ancien système colonial. On ne regardait que vers l'ancienne puissance. On n'arrive pas à avoir une pensée autonome sur nos propres problèmes à nous-mêmes, et donc une initiative par rapport à nos besoins, par rapport à nos réalités, par rapport à nos besoins. Qu'est-ce que les pays asiatiques ont fait? D'abord, on parle de capitaux, mais ils ont essayé de mobiliser l'épargne intérieure. Là, évidemment, ils étaient mieux dotés que nous. Je dois le reconnaître. La diaspora chinoise, notamment. Mais ils ont donné également une importance à l'enseignement, à la recherche scientifique et technique. Ce que nous n'avons jamais fait. Quel est le pays africain qui a une politique scientifique, technique, appropriée, c'est-à-dire une politique qui oriente vers la formation des scientifiques, la recherche, développer la recherche scientifique pour mettre en valeur les ressources naturelles. D'accord ? Il y a dans un pays comme le Sénégal l'ISRA, qui est d'ailleurs la suite d'un ancien projet français qui dépendait de l'Orstom, etc. Et ce sont les chercheurs qui venaient de l'extérieur plus que les chercheurs sénégalais, et les travaux des chercheurs sénégalais étaient utilisés hors du Sénégal et n'étaient pas utilisés du tout, tandis que ces pays ont d'abord eu une politique endogène. Oui, une politique endogène. Et ensuite, ils ont eu des programmes de développement économique et social, mais ces programmes économiques, qu'est-ce qu'ils ont commencé par faire? Ils ont commencé d'abord par dire, écoutez, il faut faire de l'industrialisation. Pour faire de l'industrialisation, il faut d'abord développer l'agriculture, assurer l'autosuffisance alimentaire, faire même de l'agriculture qui puisse être transformée, dont les matières premières puissent être transformées par les industries. Ensuite, ils se sont lancés dans les industries modernes, technologies modernes, avec un but au départ, exportation, en utilisant une main-d'œuvre peu formée, une main-d'œuvre bon marché. Mais tout de suite, ces pays se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route et qu'il fallait créer au contraire un marché intérieur. Et pour faire le marché intérieur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accru la qualification de leur travail pour leur donner des salaires plus élevés, pour leur donner une productivité plus grande et pour créer un marché intérieur qui absorbe au moins une partie de la production au lieu de ne pas seulement des exportations extérieures. Donc, ils ont bêtisé. Quand il y a eu la crise asiatique il y a quelques années, dans les années 90, au début des années 90, mais il y en a qui ont refusé tout accord avec la Banque mondiale et les FMI. Mahathir Mohamed, qui était le premier ministre de
de Malaisie, mais a refusé en disant nous sortirons de la crise nous-mêmes par nos efforts. Mais cet effort, nous ne l'avons pas fait au Sénégal. En Afrique, nous avons des gouvernants qui gouvernent, à mon avis, la plupart du temps. D'abord, nous avons des mini-États, il faut le reconnaître, peu viables. Nous n'avons pas du tout une masse critique de population qui puisse constituer un marché important. On a créé le CEOA, la CDAO, etc. pour suppléer à ces insuffisances. Mais nous n'avons jamais pu exploiter ce que nous offre même ces nouveaux espaces économiques. Chacun continue à considérer qu'il peut résoudre les problèmes par lui-même. Nous n'avons pas également de gouvernement qui ait une vision. À mon avis, pour gouverner un pays, pour changer les choses, il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision, savoir ce que l'on veut et avoir le savoir, le savoir-faire et la volonté de changer les conditions de l'intérieur et non pas de dépendre seulement de l'extérieur, du point de vue de la pensée comme du point de vue de l'action. On passe aux assises. Avant de passer aux assises, on peut quand même, par rapport à tout ce qui vient d'être, qui a été dit, est extrêmement riche. Donc, quel est le message que vous voulez peut-être transmettre aux générations qui actuellement aussi, comme vous à l'époque, d'abord, s'engagent? C'est ça. Bon, ce que je dis aux générations actuelles, c'est une chose. D'abord, vous voulez fermer? Pas d'accord. Je viens vous débarrasser un petit peu. Très bien. On pourrait avoir la leçon aussi. Hein, si, Oui, mais je peux vous laisser tranquille. Hein, très bien, merci. Allez, très gentil. Vous inquiétez pas. Très gentil, merci. Vous êtes gentil. Merci, ça va, merci. Et tu veux pas un peu d'eau là? Alors, je disais... Terminé, non? Oui, prenez sérieux. Alors, je disais que moi, ce que je veux dire aux générations nouvelles, c'est que d'abord, il ne faut jamais désespérer de soi. Ce ne sont ni les sceptiques, ni les pessimistes qui font changer la vie. Il faut être optimiste et dire que l'homme peut réaliser tout ce qu'il a la volonté de réaliser quand il y met le prix. C'est-à-dire quand il travaille en fonction des objectifs qu'il pense poursuivre. Je pense que malgré les difficultés de l'époque, les générations nouvelles, les jeunes générations changeront l'Afrique. L'Afrique changera, on n'y peut absolument rien. Les rapports qui ont existé du temps de la colonisation et qui continuent d'exister à l'heure actuelle disparaîtront forcément par la force des choses. Donc, il faut d'abord que nous sachions que rien ne nous viendra de l'extérieur pour changer nos conditions de vie, que tout dépend de nous, de notre travail, de notre aptitude à penser, à réfléchir sur nos problèmes et à leur trouver des solutions les plus adéquates. Mais aussi tout dépend aussi de la mobilisation de toutes les forces civiles de nos différents pays en vue de promouvoir les changements. Il y a une voie qu'on dit toujours que c'est celle qui conduit au changement, c'est quand il y a une révolution. Une révolution évidemment suppose une rupture brutale, des mises en cause, etc. Mais je crois que dans le monde dans lequel nous vivons actuellement, il est possible également pour des gens déterminés qui ont la volonté de changer les choses d'arriver à le faire, mais à condition, encore je le dis, que la jeunesse se mobilise elle-même, qu'elle cesse aussi ses divisions, parce que les divisions stériles, à mon avis, nous ont fait beaucoup de mal. J'ai dit au moment de l'ouverture des assises aux partis politiques sénégalais qu'aucun parti politique ne détient la majorité au Sénégal. Chaque parti a une portion de la population sénégalaise et que donc il ne faut pas que quelque parti que ce soit dise qu'il a le monopole de la vie. Il faudrait essayer d'unir toutes les forces vives, mais dans la clarté, la transparence, avec des objectifs clairs et en mettant en avant l'intérêt général et non pas l'intérêt individuel. Qu'on cesse donc, vous avez parlé tout à l'heure du parti unique,
mais le parti unique a conduit à une autre déviation, ce qu'on appelait les politiquement engagés. Au lieu de prendre dans l'administration des gens capables, les mettre à la place où ils devaient être, on a pris des gens soi-disant qui étaient engagés politiquement, même si ces gens n'avaient pas les compétences et l'expérience nécessaires pour conduire les affaires de l'État. On en arrive, nous avions un appareil d'État extraordinaire, on en arrive à l'affaiblissement de cet appareil d'État, avec évidemment la corruption, etc. Ce qui veut dire, donc moi, le message que je reste aujourd'hui, c'est, donc je l'ai dit, avoir confiance en soi, penser nos problèmes, vous dire aussi que quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, mais vous avez le droit et le devoir de penser les problèmes de votre pays et d'agir pour changer les conditions de votre pays également. Mais il faut avoir cette volonté, il faut que les jeunes s'y engagent.